Bonjour, je me présente, Jean-Michel Guilmette, directeur de la mise en marché de la bannière Métro pour le Québec. Le but de la capsule aujourd'hui est de vous parler de comment introduire vos produits dans les grandes épiceries, les grandes chaînes du Québec. Je vais vous donner un exemple très simple. Si je pense au minimum de livraison en magasin, si les minimums sont trop élevés, il y a plusieurs magasins qui ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils passent une deuxième commande. Et ce que ça va inciter, c'est que ça va être pendant 3, 4, 5 semaines des tablettes vides sur votre produit, ce qui, on s'entend, ne fera pas des grandes ventes autant pour vous que le magasin. L'inverse est vrai également aussi. Si jamais les minimums sont très élevés, mais que le magasin doit gonfler sa commande pour avoir finalement ses caisses, il va rester avec du stock dans 3-4 mois avec des dates très courtes, donc des pertes en magasin, ce qui n'est pas une très belle histoire ni pour vous ni pour le magasin. Donc, trouver ces points d'équilibre-là sont très importants lorsque vous magasinez votre distributeur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promotion de votre image de marque. La communication revêt un enjeu important et elle est indispensable dans la mise en marché d'un produit, incluant le référencement naturel, les réseaux sociaux, les campagnes Facebook sponsorisées, du Google AdWords, la stratégie de ciblage et j'en passe. Tout ceci est un survol rapide que nous pourrons éventuellement approfondir lors d'une prochaine capsule. Au revoir et à bientôt. On est des passionnés de l'alimentation, donc on est toujours intéressés à entendre les innovations que vous avez développées, encore plus quand ils viennent de chez nous.